Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Empire Noir, donc cette période qui suit la vidéo bien sûr sur la cosmogonie. On reviendra un petit peu dessus. Mais l'Empire Noir, c'est tout simplement la période qui est le début en fait de la vie sur Azeroth, donc le monde que l'on connaît de Warcraft, tout simplement où tout se passe quasiment dans le monde de Warcraft. Donc revenons un petit peu, juste petit résumé de la vidéo précédente sur la cosmogonie. Donc je le rappelle, il y a plusieurs forces cosmiques qui s'affrontent, les démons, le vide, la lumière, les arcanes, tout ça. Et nous avons principalement une force qui va nous intéresser dans cette vidéo sur l'Empire Noir, c'est bien sûr les forces du vide, donc les seigneurs du vide qui veulent essayer d'envahir notre réalité, puisqu'ils sont dans leur propre réalité, la réalité du vide, en fait la dimension du vide. Ils veulent attaquer, on va dire, notre réalité, déjà pour leur guerre contre la lumière, mais aussi pour pouvoir essayer de récupérer un titan potentiellement et le corrompre pour en faire un titan du vide. Et du coup, eh bien, ils ne peuvent pas se matérialiser dans notre réalité, donc ils vont envoyer des sbires qui sont, enfin des tumeurs, des cancers, tout simplement ce qu'on pourrait appeler des cellules cancéreuses à leur échelle, qui sont des dieux très anciens, ce qu'on appelle les dieux très anciens. Mais avant l'arrivée de ces... Donc ils vont en envoyer partout, sur plein différents mondes, donc des milliers de mondes vont être envahis, certains abritant un titan dans leur... au sein, au cœur de la planète, mais enfin, la plupart des mondes qui ont été envahis, enfin même que tous les mondes qui ont été envahis, n'avaient pas de titan en gestation dans le monde. Azeroth, le monde qui nous intéresse ici, est bien sûr un monde qui abrite un titan en gestation et qui va devenir plus tard un être cosmique. Donc... Eh bien, c'est pour ça que les seigneurs du vide envoient leur légion de dieux très anciens partout sur les mondes pour essayer de trouver la perle rare, le monde qui abriterait potentiellement un titan en gestation. Donc Azeroth, le monde primordial, donc sous sa partie où il n'y a pas de vie telle qu'on la connaît maintenant, c'est tout simplement en fait eh bien, ce que j'appelle et ce qui est appelé l'ère primordiale, l'ère élémentaire. Où en fait, eh bien, le monde d'Azeroth, donc il y a toujours bien sûr le titan en gestation, mais le monde à l'époque d'Azeroth, c'était pas forcément... Alors, il y avait tout simplement que des forces élémentaires. Comme vous le voyez ici, c'est enfin, donc les élémentaires du feu, mais également, donc il y avait 5 éléments présents à cette époque. Le feu, que vous voyez ici, l'eau, l'air, la terre, et un cinquième élément qu'on oublie très souvent, l'élément de l'esprit, ce qu'on appelle également aussi plus communément le chi. Le truc... c'est que le titan en gestation va en fait absorber, ils sont liés, les êtres élémentaires sont liés au titan en gestation, donc à Azeroth. Et au final, eh bien, en fait, la croissance du titan va absorber l'un des éléments, à savoir l'élémentaire d'esprit, ce qui va complètement bouleverser l'équilibre, le fragile équilibre qui habitait ce monde élémentaire, ce monde primordial. Et au final, eh bien, ça va mener une guerre élémentaire qui va durer des millénaires. Sans l'élémentaire d'esprit qui était là pour calmer un petit peu les esprits, hein, sans mauvais jeu de mots, eh bien, sans l'élémentaire d'esprit, les quatre différents seigneurs élémentaires, donc les quatre représentants, les quatre dieux des différents éléments, eh bien, vont se livrer des guerres millénaires où, tour à tour, un seigneur élémentaire va diriger le monde et ça va amener des cataclysmes en permanence, une modification de la géographie, de la topographie du monde avec une activité volcanique, sismique, météorologique, mais tout le temps en train de changer, en perpétuel changement. Et on va vous présenter justement les quatre seigneurs élémentaires. Certains doivent les connaître, mais il faut faire un rappel pour ceux qui ne connaissent pas leur nom, tout simplement. Donc, il reste, comme l'élémentaire d'esprit a été absorbé, on ne connaît pas son nom à lui, il reste quatre seigneurs élémentaires. Vous avez le premier en haut à gauche, qui est l'élémentaire, le seigneur élémentaire de l'air, à savoir Alakir. Nous avons en haut à droite le seigneur élémentaire de l'eau, Neptulon. Juste à côté, là, notre petit copain en feu, c'est tout simplement le seigneur élémentaire du feu, à savoir Ragnaros. Et tout à droite, c'est le seul d'ailleurs seigneur élémentaire féminin, on va dire, lié, qui a une apparence féminine, c'est Terrazan, le seigneur élémentaire de la Terre. Donc ces quatre seigneurs élémentaires, comme je l'ai dit, vont s'affronter à des proportions inimaginables. Imaginez un monde qui, toutes les minutes, toutes les secondes, va être changé en fonction des batailles, des victoires des seigneurs élémentaires. Donc c'est vraiment pour représenter de toute façon ce qu'on appelle la soupe primordiale du monde, hein. C'est vraiment le moment où au niveau géologique et autres, ça a été la Terre, par exemple notre Terre à nous a été
tout le temps chamboulé par une grosse activité volcanique, sismique, également des astéroïdes qui frappent le sol. Bah là, c'est représenté de manière magique avec des espèces de dieux des différents éléments qui s'affrontent avec leurs armées d'élémentaires respectives qui s'affrontent. Neptulon qui met des rats de marée plus grands que des montagnes, Terrazan qui érige des montagnes, des volcans qui rentrent en éruption en permanence, des tempêtes inimaginables qui frappent le monde. En gros, c'était pas forcément une époque très propice à la vie et très joyeuse. Et du coup, eh bien, c'est dans ces climats cataclysmiques qu'arrivent les dieux très anciens. Donc, ces espèces de cellules cancéreuses, ces parasites envoyés par les seigneurs du vide, qui vont avoir pour rôle, je le rappelle, d'envahir les mondes et d'essayer de trouver et d'essayer de corrompre tout simplement le monde pour récupérer potentiellement un titan du vide. Après, ils savent pas quels sont les mondes qui abritent un titan, donc comme je l'ai dit, ils frappent un petit peu de manière aléatoire. Et 4 dieux très anciens vont atterrir sur Azeroth. D'ailleurs, revenons un petit peu dessus, puisque cette humeur qu'on appelle dieux très anciens, eh bien on dit souvent qu'il y en a 4, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est même plutôt inexact. Les dieux très anciens sont apparus avec le manuel de Warcraft 3. Et à l'époque, ils n'étaient pas appelés dieux très anciens, mais grands anciens. Et ces grands anciens, bien sûr, tirés de, on va dire, tout ce qui est des œuvres de Lovecraft, eh bien, ces grands anciens, ils étaient au nombre de 5. Et il y en a un qui s'est perdu en route, en fait, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, on en garde surtout 4. Mais le 5e dieu très ancien, il a été également mentionné au début de Wovania et aussi dans le RPG. Donc, il y a de fortes chances, et ça c'est ma théorie personnelle, que le 5e dieu très ancien, on en parle dans l'avenir, que ce soit une prochaine extension ou une autre. Et peut-être que par exemple, une dague que vous connaissez peut-être dans World of Warcraft, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, c'est pas grave si vous êtes perdu et que vous connaissez pas ce personnage, Xalatat est peut-être lié justement au 5e dieu très ancien, voire peut-être serait le 5e dieu très ancien. Mais en tout cas, retenons ces 4 dieux très anciens que l'on connaît et que l'on voit à l'écran avec Yar-Sharaj, le premier dieu très ancien et le plus puissant, le plus fort des 4. Donc Yar-Sharaj qui est tout à gauche. Vous avez juste après Nuzhat, Enzoth, Nazoth. Je rappelle que la langue des dieux très anciens est imprononçable, donc vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Si vous voulez écrire Nzut, Nzoth, Nuizet, ça marche, du coup, Nuzhat. Nous avons ensuite K'tun, ou Setun, ou ce que vous voulez, qui est espèce d'œil avec des tentacules dans son petit bassin. Et tout à droite, vous trouvez Yogg-Saron. Donc ces 4 dieux très anciens qui vont commencer à gangréner le monde d'Azeroth. Au final, justement, puisque ce sont des êtres, alors bien sûr, par rapport à l'échelle cosmique des titans, des seigneurs du vide, potentiellement des forces de la lumière, etc., bien sûr, les dieux très anciens, on l'a dit, ce ne sont que des petits parasites, c'est rien du tout. Mais à l'échelle d'une planète, eh ben, c'est pas pour rien qu'on les appelle les dieux très anciens. Ce sont des êtres immensément grands, immensément puissants, et qui, par leur simple présence, va bouleverser le monde et l'ordre des choses. Et bien sûr, ils arrivent sur un monde où il y a des perpétuels changements cataclysmiques, météorologiques et climatiques. Eh bien, ils vont eux aussi bouleverser cet ordre-là. Et rien que par exemple par leur seule présence, donc ce sont des amas de chair, un petit peu des amas organiques, eh bien il va y avoir, en fait ils vont suinter comme si c'était de la sueur en fait, hein. Sauf que ça va suer de la matière organique, et c'est ce qui va créer leurs principaux serviteurs, à savoir donc les Akir, qui sont, que vous voyez d'ailleurs, hein, une petite race insectoïde, et les Enraki, ou les sans-visages, ce qu'on appelle les sans-visages, qui sont des êtres un petit peu plus grands et qui servent de lieutenants et de généraux aux armées des dieux très anciens. Alors que les Akir, c'est tout simplement la piétaille, c'est une race insectoïde, donc imaginez tout ce qui est race insecte avec des ouvriers qui vont bâtir tout simplement la civilisation des dieux très anciens. Ce qu'on appellera d'ailleurs bien après, ce qu'on appellera après l'Empire Noir. Donc leur regard va se porter évidemment sur les seigneurs élémentaires qui sont les forces dirigeantes locales. Et les forces dirigeantes locales, elles apprécient pas trop l'invasion, hein. Les seigneurs élémentaires vont s'unir, vont s'allier. Donc Ragnaros, Neptulon, Terrazan et Alakir vont s'allier pour affronter cette nouvelle menace et ces envahisseurs. Le problème, c'est que les dieux très anciens, les envoyés des seigneurs du vide,
vont tout simplement eh bien, envoyer des milliers et des millions même d'armées, et malgré les tempêtes, malgré les cataclysmes, malgré les séismes, malgré les tempêtes tout simplement de feu qui peuvent s'abattre, eh bien ça n'arrêtera pas les dieux très anciens qui vont réussir à vaincre les seigneurs élémentaires. Les seigneurs élémentaires seront vaincus et vont tomber tout simplement sous le joug des dieux très anciens, et c'est cette période justement que l'on appelle l'Empire Noir. L'Empire Noir, vous le voyez ici avec la carte justement issue de Chronicles, avec donc les différents. Alors à l'époque, je rappelle, il y a un continent unique qui est Kalimdor, mais il est possible que pendant l'ère primordiale, ça ait beaucoup changé. Mais au moment de l'Empire Noir, le continent de Kalimdor, le super continent de Kalimdor, ressemble à ça. Et nous avons du coup Ktoon qui est tout au sud-ouest, nous avons Yogg-Saron tout au nord, Yar-Charaj qui est le plus puissant, donc qui a le plus gros territoire. Qui prend, on va dire, l'ensemble de le milieu, on va dire, de la planète. Et tout à droite, vous avez Nuzzaat. Sachant que chacun, on voit aussi les seigneurs élémentaires avec Neptulon tout au nord-ouest, Alakir au sud-ouest, Terrazan, qui a un tout petit bout de terre d'ailleurs, pour l'élémentaire de la Terre, c'est un petit peu dommage, au nord-est, et nous avons ensuite Ragnaros au sud-est. Les seigneurs élémentaires vont tout simplement devenir les petits toutous des dieux très anciens, et pendant ce temps, eh bien, les dieux très anciens vont continuer de développer leur influence sur la planète. De plus en plus d'Akir, bien sûr, vont voir le jour, et ces Akir vont être tout simplement eh bien, les ancêtres des futurs Nérubiens, Mantides et Kiraji, que l'on reverra plus tard, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bientôt, on reparlera, mais vous, si j'en parle au final dans la vidéo sur Zul'jin et les trolls, puisque eh bien, les trolls vont avoir un rôle primordial dans la défaite des serviteurs des dieux très anciens, mais beaucoup plus tard. Nous avons donc le règne des dieux très anciens qui devient totalement absolu et sans partage. Les seigneurs élémentaires ne deviennent que des petits bouts de territoire, ne règnent que sur des lopins de terre, et ils sont à la solde des dieux très anciens. Et pendant ce temps, eh bien, les armées des dieux très anciens, les Kiraji et du coup, ce que je disais, les Enraki, donc les Akir, eh bien, vont tout simplement, tels les ouvriers que j'évoquais, les ouvriers insectoïdes, vont eh bien, ériger des monuments, des pyramides, des obélisques à la gloire de leur seigneur, de leur dieu. Et c'est ça l'Empire Noir, toute une civilisation qui va naître à la gloire de ces monstrueux corrupteurs, de ces monstrueux êtres corrupteurs. Et justement, pendant ce temps, eux, bon bah, ils festoient, il va même y avoir des guerres entre les différents dieux très anciens. Ils vont s'opposer souvent, ils vont se foutre sur la tronche, hein, tout simplement, ils vont se battre. Mais pendant ce temps, leurs tentacules vont aller tout simplement de plus en plus creuser, de plus en plus profondément dans la Terre pour essayer eh bien, d'aller atteindre le cœur de la planète, parce qu'ils se rendent compte que justement, ils ont trouvé le jackpot, il y a un titan en gestation. Donc, plus le temps passe, plus leurs racines eh bien, vont s'enfoncer profondément pour essayer de corrompre le cœur d'Azeroth, le cœur de ce titan en gestation. Et ça, eh bien, donc alors on n'a pas trop de période, enfin on n'a pas trop de détails pour le moment concernant vraiment cette période de l'Empire Noir, mais en tout cas ça a duré quand même très probablement des milliers d'années. Et c'était pas forcément un super moment à vivre. Mais on peut imaginer aussi, encore une fois, des millions d'insectoïdes, de races insectoïdes qui se foutent sur la tronche directement entre les armées de Yogg-Saron, les armées de Nuzzaat, les armées de Yar-Charaj et les armées de Ktoon. Donc il y a eu des conflits, ça c'est certain, il y a eu des conflits à l'époque, mais on n'a pas beaucoup beaucoup plus de détails. Le truc où il va y avoir énormément de détails, et c'est ça qui verrait vraiment l'intérêt de la période de l'Empire Noir, c'est que le Panthéon, donc les titans, vont toujours continuer, ils sont dans une quête perpétuelle, éternelle, je dirais, de recherche des leurs, hein, donc de nouveaux titans qui seraient en train de naître, et eh bien ils vont tomber, donc l'un des titans, Aggramar, va tomber sur Azeroth, et va se rendre compte que oui, il est appelé en fait par les songes, les rêves d'Azeroth qui est le titan en gestation. Et au final, eh bien, Aggramar donc va être appelé et va arriver près d'Azeroth. Et imaginez un être à l'échelle cosmique, donc il est plus grand que la planète en fait. Hein. Et en fait, il se rend compte que c'est horrible ce qui se passe sur la planète. Vous avez tout simplement Azeroth qui est gangréné des dieux très anciens, et le monde a basculé dans l'obscurité, l'atmosphère est noire, et il se dit mais mon dieu, Azeroth va être corrompu. Et alors je vous fais bien sûr écho à la vidéo précédente, y a un des titans qui avait dit ça va arriver ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Il avait été banni
son nom, c'est Sargeras. Aggramar se dit, Sargeras avait raison, c'est terrible ce qui arrive. Mais contrairement à Sargeras, il va pas abattre le monde, il va pas détruire le monde qui est envahi par les dieux très anciens. Donc il va appeler le Panthéon à la rescousse, donc le Panthéon, donc l'ensemble de tous les titans. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont se concerter et ils vont essayer de trouver un plan. Et au final, Aggramar a un plan, justement, c'est de faire appel donc à Khazgoroth, qui est tout simplement le titan forgeron, et essayer, puisqu'ils ne peuvent pas directement intervenir sur le monde, ce sont des êtres cosmiques beaucoup trop grands pour pouvoir intervenir directement sur le monde, ils vont forger ce qu'on appelle les forgés d'ailleurs, ce qu'on appelle les gardiens, donc les gardiens titaniques, ou ce qu'on appelle les forgés par les titans, les forgés tout simplement, qui sont donc des espèces d'avatars des titans eux-mêmes. Donc ce sont des êtres de pierre ou de métal qui vont être incarnés et à qui on va dire les titans vont donner la vie, et ces êtres vont affronter. Donc il va y avoir des... Parce que bien sûr, maintenant, il n'y a plus beaucoup de gardiens en vie. Mais à l'époque, il faut imaginer des légions entières de guerriers. Alors pas non plus des millions, parce que ce ne sont pas aussi nombreux. Mais imaginez des dizaines de milliers de gardiens qui composent les armées titaniques. Et ils vont rentrer en guerre contre les dieux très anciens directement sur le monde. Et faut donc imaginez, ça fait presque un jeu de stratégie en temps réel, en fait. Vous avez les titans qui regardent et qui sont là... Envoie ton armée en B7 là pour affronter les dieux très anciens. C'est un peu ça l'idée, puisqu'ils envoient leur à une échelle beaucoup plus petite, ils envoient tout simplement leurs armées en permanence pour essayer d'affronter et de récupérer et de pacifier la planète pour justement empêcher que les dieux très anciens nuisent au titan hein, Azeroth, qui est encore un bébé. Même pas un bébé d'ailleurs. Et au final, justement. Eh bien, ces avatars d'eux-mêmes, donc les forgés, vont avoir un rôle primordial, puisque je l'ai dit, c'est l'armée d'Azeroth, mais ils incarnent surtout les vertus et les pouvoirs des titans en tant qu'avatars, justement, comme je vous le disais. Alors, au départ, c'est juste des espèces de sous-titans tout petits, mais il va y avoir quand même, chacun va avoir sa petite volonté propre. On reparlera plus en détail des gardiens dans la prochaine vidéo au niveau de la frise chronologique. Là, pour le moment, on va pas non plus rentrer trop dans le détail concernant les gardiens. Ce qui est sûr, c'est juste que c'est l'armée principale des titans. Et au final, ils vont commencer à submerger eh bien, les chiens de garde des dieux très anciens, à savoir... les seigneurs élémentaires. Les seigneurs élémentaires vont affronter ces gardiens, sauf que les gardiens vont opérer de concert, vont opérer en nombre et vont réussir à vaincre les différents seigneurs élémentaires, donc encore une fois Ragnaros, Neptulon, Alakir et Terrazan. Ces quatre là vont être vaincus, donc je le rappelle, c'était l'avant-garde des dieux très anciens. Le problème, c'est que les seigneurs élémentaires, comme je l'ai dit tout précédemment, sont liés directement à Azeroth, donc ils peuvent pas être tués, parce que si on les tue, bah ils vont juste potentiellement revenir avec le temps, puisque encore une fois leur existence même est liée à l'existence d'Azeroth. Donc tant qu'Azeroth vit, eh bien Ragnaros, Alakir, Neptulon et Terrazan reviendront. Peut-être dans des centaines d'années, peut-être dans des milliers d'années, mais ils reviendront. Du coup, ils ont prévu autre chose, c'est de créer avec leur pouvoir, ils vont créer une faille, enfin une espèce de poche dimensionnelle qui s'appelle en fait tout simplement les prisons, ce qu'on appelle les prisons élémentaires. Et ces prisons élémentaires vont, donc ce qu'on va appeler aussi le plan élémentaire, ils vont envoyer donc les seigneurs élémentaires ainsi que leurs armées, donc leurs propres élémentaires, dans ces prisons élémentaires, donc dans ces poches dimensionnelles. Et chaque seigneur élémentaire va avoir sa poche dimensionnelle. Et par exemple, nous avons la plus connue qui est le Terre de Feu pour justement Ragnaros, mais il y a également le Tréfon pour Terrazan, etc. Donc nous avons ces quatre prisons élémentaires qui vont enfermer tous les élémentaires, quels que soient les plus petits jusqu'aux plus grands avec les seigneurs élémentaires, qui seront enfermés, et du coup cette menace a été écartée par les titans. Maintenant il va falloir passer à autre chose, puisque nous avons encore une fois les gardiens. Maintenant que les seigneurs élémentaires sont vaincus, les gardiens vont se retourner directement vers la menace principale, les dieux très anciens. Le plan, c'est d'abord d'affronter le dieu très ancien le plus puissant, à savoir Yar-Sharaj. Et Yar-Sharaj qui est au centre, hein, comme je vous l'ai montré sur la carte précédemment. Donc ils vont y aller gentiment mais sûrement, et ils vont commencer à détruire justement toutes les armées, donc tous les Akir et les sans-visages envoyés par Yar-Sharaj. Et ils vont arriver au cœur de pouvoir, donc ils abattent les forteresses aussi, ils abattent les temples, les cités-temples à la gloire de Yar-Sharaj. Et quand ils arrivent à l'endroit justement où il y a le corps ultra massif du dieu très ancien, ils vont
En fait, ils vont commencer à tomber parce qu'ils ont sous-estimé la force et les pouvoirs de Yersharaj. Et certains gardiens vont mourir sur le coup, d'autres vont commencer à être corrompus, et ça va atteindre une telle ampleur qu'en fait, les titans eux-mêmes commencent à flipper, hein, commencent à paniquer vis-à-vis de ce qui se passe, puisque Yersharaj est en train de triompher à lui tout seul des gardiens. Et donc, ce que va faire l'un des titans, à savoir Amantul, il considère que Yersharaj est beaucoup trop puissant et pourrait vaincre leurs armées. Donc, il va tricher, on va dire, en quelque sorte. Il va directement intervenir, mais faut imaginer, encore une fois, que c'est un être cosmique. La planète, pour lui, c'est presque une petite sphère, comme par exemple, on manipulerait un œuf, en fait. Nous-mêmes, à notre échelle, on manipule un œuf. Imaginez que c'est ça, un titan qui manipule un monde entier, une planète entière. Donc il faut qu'il fasse très attention, il faut qu'il soit très minutieux. C'est pour ça à la base qu'ils avaient créé les gardiens. Mais il va essayer d'arracher donc cette espèce de parasite. Imaginez tout simplement qu'on essaye d'arracher une tique, très difficile hein, parce qu'elle est fermement accrochée. Et bien quand vous arrachez de trop la tique, ça peut laisser des séquelles. Ça peut laisser, on va dire, encore une fois, des plaies béantes, hein, des marques. Et c'est exactement ce qui va se passer. Amantul avait sous-estimé à quel point la corruption était présente et à quel point Yersharaj avait gangréné le monde. Ses tentacules étaient tellement enracinés dans le monde d'Azeroth que le moment où, en fait, où il va arracher Yersharaj, imaginez une main cosmique qui arrive et qui ressort quasiment toute une région du monde. Hein, donc on pourrait imaginer l'Europe de l'Ouest qui d'un coup est extirpée du sol. Et en fait, le truc, c'est qu'Yersharaj il reste cramponné au monde, et ses racines, encore une fois, il va servir de ça. Et en arrachant le dieu très ancien, il va laisser cette plaie que vous voyez justement à l'écran, cette plaie béante qu'on appellera après le puits d'éternité. C'est tout simplement en fait une plaie où saigne le titan, et ça va faire un conduit en fait arcanique immensément puissant qui bouleversera le monde. Et c'est tout simplement une plaie qui est éternelle. On en reparlera dans d'autres vidéos puisqu'elle va jouer un rôle très important, notamment dans l'histoire des trolls, des elfes et de tellement d'autres races. Mais j'en ai déjà parlé un petit peu dans l'histoire des trolls et des elfes, donc je vous laisse aller la voir si vous voulez ne pas attendre la suite. Nous avons du coup donc Amantul qui arrache Yersharaj, et à ce moment-là, c'est la stupeur et ils se disent « Mais attends, là tout le Panthéon se dit « Attends, t'as vraiment fait une connerie, il faut surtout pas qu'on fasse ça avec les autres dieux très anciens, parce que là on pourrait tuer Azeroth en fait, tout simplement. » C'est déjà beaucoup trop, cette intervention était terrible. Elle était nécessaire parce que Yersharaj allait triompher des gardiens, mais on peut plus refaire ça avec les autres dieux très anciens. Donc on va reforger de nouvelles armées de gardiens. Certains étaient encore en vie bien sûr, mais ils ont quand même pris, on va dire, ils ont subi beaucoup de pertes face à Yersharaj, et ils vont attaquer les dieux très anciens un par un. C'est vraiment ça la stratégie, ils vont attaquer les dieux très anciens un par un. Alors on ne sait pas si les autres dieux très anciens ont attaqué pendant ce temps, ça c'est pas dit malheureusement, il n'y a pas assez de détails à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on connaît un petit peu l'ordre, donc le but, encore une fois, c'est d'essayer de triompher. Mais le problème, c'est qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tuer les dieux très anciens, donc il va falloir les enfermer quelque part, parce qu'ils ne peuvent pas tuer les dieux très anciens, ils sont trop agrippés. Et ils ont essayé de les tuer, ça n'a pas fonctionné en dehors de... Parce que par contre, pour le coup, Amantul, en arrachant Yersharaj, il l'a brisé, hein, il l'a explosé, il l'a détruit. Et malgré que Yersharaj soit mort, son essence a tellement corrompu le monde qu'on retrouvera justement des parties de lui, notamment en Pandarie plus tard, et c'est tout simplement ce qu'on appelle les chats ou le chat. Alors je pense pas bien sûr à l'animal, hein, c'est autre chose, ça s'écrit pas de la même manière non plus, même si bien sûr on a tous entendu un petit miaulement dans notre tête. Donc justement ils ont une stratégie, c'est que comme ils n'arrivent pas à tuer les titans et qu'ils peuvent pas les arracher directement, ils vont les enfermer comme ils ont fait avec les élémentaires, ils vont essayer de les enfermer pour protéger Azeroth. Donc ils vont attaquer, comme je l'ai dit, un par un les dieux très anciens. Ils vont commencer par le plus faible des quatre, à savoir Nuzzat. Yersharaj étant mort, Nuzzat est le plus fragile. Nous avons ensuite donc Nuzzat qui était au sud-est va être vaincu. Ensuite ils vont passer au sud-ouest avec K'tun, qui encore une fois lui aussi a des milliers et des millions d'armées, mais elles vont être balayées. Et finalement ce sera Yogg-Saron, le dernier dieu très ancien à être vaincu. Et d'autres, certains gardiens d'ailleurs s'illustreront de manière incroyable, comme par exemple un certain Odin qui s'est illustré dans la bataille contre Yogg-Saron. On en reparlera du petit Odin dans de prochaines vidéos. Donc voilà la map
tout simplement voilà, carte de la fin de l'Empire Noir, où on voit justement les prisons des différents dieux très anciens, et justement le puits d'éternité, ce que vous voyez au milieu, hein, le Well of Eternity, qui est tout simplement, faut encore une fois imaginer, donc une espèce de mer, de lac tellement grand que c'est presque une mer intérieure, et une mer intérieure de magie, hein, puisque c'est de la magie arcanique directement. Et au final, puisque c'est sous forme liquide, hein, puisque c'est du sang, mais c'est de la magie arcanique, puisque les titans sont des êtres des arcanes, je le rappelle. Et du coup, eh bien, nous avons tout simplement donc l'endroit où était Yar-Sharash, c'était le puits d'éternité. Nous avons ensuite la prison donc de Yogg-Saron, tout au nord, à savoir donc les titans forgent une prison donc qui s'appelle Ulduar pour Yogg-Saron. Pour K'Toon, c'est tout simplement An'Kiraj. Alors pour Nuzzat, à l'heure actuelle, on ne sait pas le nom exact de l'endroit, hein, de l'endroit où il va y avoir la prison. Peut-être qu'on le saura un autre jour ou bientôt avec l'arrivée de la 8.3 de World of Warcraft. Mais pour le moment, on n'a pas le nom de la prison de Nuzzat. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas tenu. Et nous avons justement également la Pandarie, un endroit qui était très important au niveau de Yar-Sharash. Mais on y reviendra après. En fait, les morceaux de Yar-Sharash sont retombés aussi notamment en Pandarie, et c'est pour ça aussi que la Pandarie va être gangrénée par l'énergie de ce dieu très ancien mort. Mais Yar-Sharash est le seul dieu très ancien mort à l'heure actuelle dans l'univers de Warcraft. Donc comme je l'ai déjà dit, ce conflit laisse une plaie béante monstrueuse à l'échelle de la planète, puisque bah, encore une fois, c'est une mer intérieure de magie liquide rester éternellement présente sur le monde d'Azeroth. Et on en reviendra dans la prochaine vidéo concernant l'ordonnancement d'Azeroth, donc l'ordonnancement du monde selon les titans, avec notamment la grosse présence des forgés. Et je le rappelle, les forgés, c'est également eh bien, les ancêtres de l'humanité. Donc on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo, j'ai pas été trop long, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai pas perdu aussi en route. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est plus clair dans votre tête concernant l'Empire Noir et la domination des dieux très anciens. Mais oui, les dieux très anciens ont dominé pendant un temps, même si c'était quand même un temps important, c'était un temps le monde d'Azeroth. Et bien entendu, les dieux très anciens, la menace ne sera jamais vraiment écartée, puisqu'ils voudront se libérer de cette prison. C'est tout l'intérêt. Et avec l'arrivée de la 8.3, eh bien, il fallait qu'on reparle aussi de l'Empire Noir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à liker, à partager autour de vous, à vos amis qui aimeraient connaître un peu plus l'histoire de Warcraft. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Renée, Achara! Renée, ma reine!